que des beaux souvenirs. Je me revois à 10 ans venir m'entraîner à Nantes, où mes parents faisaient l'aller-retour. Où j'étais tout timide, tout petit, et là maintenant, en professionnel, gagner la Coupe de France en U17 avec le coach Danner, gagner le championnat de France, et que des beaux souvenirs qui resteront gravés dans ma tête et dans mon cœur, parce que Nantes, ça reste mon club formateur, ça reste mon club de cœur, et ce club, je dois tout, donc total respect pour ce club. Et je vois pas comment je pourrais oublier ce club, c'est impossible, il restera toujours dans mon cœur. Moi, je tenais à remercier tous les éducateurs que j'ai eu pendant ma formation, comme Francis Lièvre, Yossi Stefanziani, Pierre Ristou, coach Danner, Alban Barthelot. C'est des coachs qui m'ont permis d'évoluer, qui ont aussi continué mon éducation, puisque je suis parti tôt de chez mes parents. Donc, qui ont continué à m'éduquer, continué à me pousser à bout pour être le plus fort possible et pour m'emmener le plus haut possible. C'était un moment très fort, c'était des rêves qui se sont réalisés. Et ces matchs-là à la Beaujoire, où avec une ambiance de folie, avec un public comme il y a à la Beaujoire, ça restera toujours gravé dans ma tête. Et je peux pas dire quelque chose d'autre, c'est juste magnifique de pouvoir vivre ça dans son club. Et maintenant, faudra garder ses souvenirs en tête et se servir de ses souvenirs pour être encore plus fort dans la suite. Ouais, c'est une nouvelle étape, un nouveau challenge qui vient m'accorder, donc c'est que du bonheur. Après, ça sera à moi de continuer à travailler, c'est que le début. J'ai un mot pour Franck Kita, je tenais à le remercier pour toute la confiance qu'il m'a accordée depuis que je suis monté en professionnel, de me faire signer pour un contrat professionnel, après de m'avoir prolongé après mes performances de ma première année. Et de là, me laisser partir, d'être le plus réactif possible, d'avoir tout fait pour que je puisse me donner un autre challenge, qu'on puisse passer un palier dans ma carrière. C'est un total respect et un grand merci pour tout ce qu'il a fait. Chers supporters de Saint-Nantes, j'ai un mot à vous dire pour mon départ. C'est un grand merci de tout le soutien que vous m'avez apporté et tout l'amour que vous m'avez donné. Du total respect avec tout ce que vous avez fait pour moi et pour toute l'équipe aussi. Donc je vous demande de continuer comme ça, de rien lâcher, et je vous oublierai jamais. Je vous aime.